Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est KiritoKnight064, votre petit raton laveur noir sur YouTube, j'espère que vous allez bien. On est là pour la suite de votre let's play sur Sword Art Online Fatal Bullet, vous vous en doutez. Et nous allons faire encore une fois un petit break dans la quête principale. En ce moment c'est à épisode passé, hein. Quête principale, quête annexe, quête principale, quête annexe, on fait un petit peu comme ça en ce moment. Et donc on va continuer des quêtes relationnelles, et aujourd'hui c'est avec notre chère Kitty. Master. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je m'en souviens, Kitty. Comme quoi tu sais toujours rien, comme quoi tu... qu'on se soutiendra toujours. C'est la même chose, hein, à peu près. Comme quoi tu en seras toujours avec moi. C'est ça, oui. Moi aussi. Ouais, je t'aime beaucoup, Kitty. Moi aussi. Ouais, je t'aime beaucoup, Kitty. Ou moi. Je sais. Franchement. Bien sûr, partenaire. Je vois qu'il y a encore un petit curseur vert. Allez, on continue. Bien... Quoi? Allons en rendez-vous ensemble? Ouais, d'accord. Pourquoi pas. Si tu veux, si tu veux. Je sais pas où ça va nous mener cette histoire, mais... Il paraît qu'il y a un coin pas loin avec une jolie vue. Ça te dirait d'aller voir? Bien sûr, on peut y aller voir si tu veux. Oh, je préférerais aller ailleurs. Ouais, ouais, bien sûr, on peut y aller. C'est un maître quand on se connaît vraiment bien. Hein. Quelques heures plus tard. C'est pas tout à fait ça, mais... そうじゃない時も恥ずかしくなることがあるですか。なかなか難しいのです。人間の感情
理解するにはまだまだ時間がかかりそうなのです。いろいろと考えていたら何やら頭がぼーっとしてきたのです。あ、そうなのです。マスター、ここで私も寝てもいいですか？え？寝転がることではなく睡眠をとるという意味の方です。はい、すぐにまた元気になってマスターのサポートをするのです。おお。待っていてくださいね、マスター。Bon, je ne m'attendais, mais alors vraiment pas du tout à ça. Mais après moult épisodes, mon aphrasie s'est terminée dans mon lit. Eh oui. Remarquez, c'est un Sword Art Online, donc il fallait un moment ou un autre que ça termine comme ça. C'était le cas dans Holo Fragment et Holo Realization déjà. Mais c'est vrai que je l'avais pas vu venir celle-là. Bon, les circonstances font que. Hein. Ça va, c'est pas bien méchant. On va sortir et moi je vais faire une petite ellipse le temps de trouver une quête secondaire intéressante. À de suite. Master, Itsuki est venu. Bonjour Itsuki. Salut Itsuki. Bonjour. Maintenant, tu es ouvert? Ouais. Si tu veux, tu peux me donner un peu de temps. Pour toi, tu oui, mais juste une minute alors. Ah, この後何か用事があるの？じゃあ、手短に話そうか。そんなに深刻な話ではないんだけどさ。二人で話したいんだ。私はアンドロイドだからノーカウントですよね。このままご一緒していてもいいですか？アンドロイド、アンドロイド。なるほど。確かにアンドロイドは一人じゃなくて一体だね。だがこのスコードロンにおいて君は大事なメンバーの一人だ。ただのアンドロイド、ただの NPC なんて言えない存在になっている。だから君の単位は人でいいんじゃないかな。それは嬉しいです。ありがとうございます。J'ai une question. Depuis quand on forme un escadron ? というわけで、僕は君のご主人様と二人で話がしたいんだ。À ta maître. Et allez, ça recommence. Qui a codé le jeu ? Sérieux ? Master, 私は出かけてきますね。Je me demande qui s'est occupé de la traduction quand même. Je m'inquiète pour Kitty. Ouais, plutôt, elle est tellement maladroite. Type X は学習機能も優れているらしいし、マスターの君に似てきたんじゃない？どうしたの？冗談はさておき、話したいことなんだけど。え？いつきは自分の情報を知りたいんじゃないかって？いきなりそこをついてくるのか。やっぱりあの日会っちゃったのはまずかったかな。僕はいつも肝心なところでタイミングが悪いんだ。ああ、そうだよ。僕は君について知りたい。それであの情報屋から君の情報を買った。僕にはプレイヤー情報を売買することについての罪悪感はないのさ。イビー、ben, il te suffisait de me demander, hein. 君はそう言うだろうね。だからこそ、君から直接聞く意味はないと思ったんだ。例えば、今君のリアルについて、僕が質問して答えてくれたとしても、それが真実だと証明するものは何もないだろう。もう、失敗コンプレットの彼女たちが、僕について想像していた情報に、何の根拠もなかったみたいにさ。だからこそ一人でこっそり仮説を立てて楽しむのが
僕の喜びなのさ。理解できないって顔をしてるね。そうだな。例えば今君の前に立っているイツキというプレイヤーが実はリアルでは犯罪者だったらどうする？え？Quoi, t'es sérieux? Je ne te crois pas un instant. Je la crois pas du tout, mais bon. La première répète pas mal aussi. そんな風にこの VRMMO という世界は様々な想像をする余地を残しているんだ。そしてその想像や仮説が真実かどうか探っていくことも面白さの一部だと思うんだよ。Le thème des Tsuki qui tourne plutôt sympa aussi. を聞いたのもその楽しみの一環さ。Et pourquoi me le dire dans ce cas si c'est un secret, Itsuki? Ça, je comprends pas. 確かにそうだね。今こうやって話してしまったら楽しみが減っちゃうかもね。返事をごまかすこともできたけど、君には本当のことを答えたいと思ったんだ。なぜかな。自分でも不思議だけど。心配しなくてもいい。別にこれは愛の告白とかじゃないからさ。J'espère bien que non。あ、時間を取らせてすまない。今日はこれで失礼するよ。Il est vraiment bizarre par moments. C'est un personnage que je n'arrive mais alors pas du tout, du tout à cerner.Est-ce qu'on finira par comprendre ses intentions? Je sais pas. Si ça se trouve, c'est tout simplement le personnage mystérieux du jeu. Ah là là. Il en faut toujours un, de toute façon. Ouais, Kurea, on continue sa petite histoire à elle. Sympa le panorama. GGO, c'est la base de la base, mais... C'est la base de la base de la base.こんなに見栄えするんだね。朽ちたビルや荒野が夕日に照らされるとこんなに幻想的になるなんて。C'est magnifique, pas vrai? C'est incroyable. Alors là. 本当よね。そういえばさ、前にいろいろと心配かけちゃってごめんね。C'est déjà oublié. C'est ce que je viens de dire. C'est déjà oublié. Cette vue m'est familière.あったね。屋上から二人で夕焼けを眺めてた。ねえ、私があんたをこのゲームに誘ってなかったら、もう二度と会うこともなかったのかな。Sympa l'image. Ils les ont laissés comme dans les autres SAO. Je pense que peut-être pas.Je pense que tu te trompes. Peut-être pas. Amstam, Gram, Piqué, Piqué, Collé, Gram. Si tu veux. いつかその時が来たらちゃんと言うからそれまでは内緒ね。Allez, je vois qu'elle a encore autre chose. あら。Tu as besoin de quelque chose? Toi aussi?
Allons rendez-vous ensemble. Oh là là, décidément. Après Kitty, c'est Coréa. Tu vas me faire rougir en disant des choses pareilles. Mais c'est d'accord, je veux bien aller quelque part avec toi. Allons-y. Néné. Je peux te demander quelque chose. Est-ce que je te suis utile? Oui, plutôt. Évidemment, tu l'es toujours. Bien sûr, tu es très forte. C'est bien amusé, tant mieux, tant mieux. Et le point vert est toujours sur la carte, mais il n'y a plus Coréa. Ça c'est bizarre. D'accord, c'est là. Est-ce que c'est un bug ou... Non, c'est pas toi. C'est pas toi. On s'en fiche un peu de ce qu'il raconte. Petit PNJ de rien du tout. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va arrêter la vidéo ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une transition assez rapide. Je vais de suite reprendre la quête principale et donc on va aller voir de suite ce vaisseau, le SBC Flugel, dans lequel se situe donc la mise à jour que nos héros attendent depuis le début, hein, donc la mise à jour du SBC Flugel, où on va retrouver la maman de Kitty tout de suite. Donc on va y aller sans plus attendre, donc mais ça sera pour le prochain épisode. On va aller monter à bord de ce vaisseau qui a l'air d'être apparu dans la zone forestière qu'on a vu il y a de cela un épisode dans le précédent, voilà. En tout cas, c'est parti, j'espère que la vidéo vous a plu, on va se laisser ici, nous, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Pensez à laisser le petit pouce bleu, le petit pouce en l'air si c'est le cas, si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite clochette pour ne rien rater, et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur cette même chaîne. C'était Kirito Knight 064 alias Kirito, à très bientôt, et portez-vous bien. Right now,